Yop, tout le monde, c'est Melorset. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Comme d'habitude, je suis sur Sauver le Monde. Hein. Ça change pas, vous connaissez. Et bon, des fois, je fais des vidéos BR, mais c'est juste plus pour des. Quand il y a des nouveautés, quoi, comme les nouvelles saisons, tout ça. D'ailleurs, je vous ai montré mes top 1. C'était plutôt. J'ai plutôt bien kiffé les petits top 1 que j'ai fait en BR. D'ailleurs, là, du coup, cette soirée, j'ai encore fait des top 1, quoi. Mais c'était pas fun, là. Là, j'ai fait. C'était pas fun. J'ai fait 6 games en duo avec mon pote. Bon, c'était pas ouf quoi. S'il était en mobile, moi sur play, du coup j'étais favorisé. Du coup, on a fait 5 top 1 sur 6. Ouais, il y a une game où j'ai 3 rolls, du coup, on n'a pas fait top 1, mais bon, voilà quoi. Je me suis fait laser en fait. Donc voilà. Donc, comme vous le savez, bah ils ont reset les quêtes super production. Du coup, je les ai retapés en entier. Du coup, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai tout fini en fait. Hein, j'ai tout refait. Du coup, j'ai repris Vogue. Du coup, je l'ai amélioré en 130. Si jamais je joue par exemple le Metalex. Ou si je joue par exemple, je vais vous montrer vite fait mais les soldats que j'ai. Par exemple, si je joue Metalex ou même Banshee, tu vois. Ou même Carburo, hein, parce qu'il a les grenades, bah, je le mets en équipe de soutien et voilà quoi, c'est nickel. Tu sais ce que je veux dire? Si je joue même Chroma Ramirez, enfin à peu près tous les héros en soi. Même Grincheux, bah j'ai juste à mettre les grenades sur les. Sur les. On est en équipe de soutien quoi. D'ailleurs, je crois que je vais faire ça hein, pour ma classe Grincheux. Je vais mettre L. Vogue et Sergent machin, Ted et Metalex, compo Migingen, parfait quoi. Enfin bref, du coup on n'est pas là pour parler de ça, du coup j'ai fait ça. Ils ont reset les donjons aussi, du coup je vais vous montrer un peu où j'en suis. Donc donjon, j'ai tout fait en 3 fois, c'est-à-dire que là il faut que je le refasse encore une dernière fois chaque truc. Donc t'as en crypte, t'as mêlée et chronomètre en même temps. Donc voilà, je crois que c'est le seul où il y a mêlée chronomètre, c'est le seul, il n'y a pas dans les trois autres, du coup ça tombe bien. Donc je dois faire encore une fois que chaque quoi, du coup je vais faire ça tranquillement avec les défis quotidiens chaque jour quoi. Donc là c'est creep, donc je peux faire trois trucs en même temps, donc c'est nickel, tu vois, je peux faire les trois en même temps. Après en faire, je sais pas, je verrai demain, tu vois. Après j'ai déjà tout fini quoi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai un dilemme vu que j'ai fini tous les super productions et tous les donjons encore une fois. Du coup, j'ai tous les héros en double, tu vois. Enfin, en triple même. Regardez, je vais vous montrer si je vais dans héros. Je les ai mis en favoris, hein, tu vois. E2, du coup, bah, les deux héros par rapport en donjon et les deux héros par rapport en super prod. Bah, je les ai en triple, du coup. Donc là, je les ai montés en 34, mais j'hésite en fait. Soit je les garde, je les monte en 33, en 130. Et je les envoie pour les expéditions, tu vois. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de les relancer, mes expéditions. Ou soit, bah, je les recycle pour les manuels d'entraînement. Et si je recycle les 4, je vais vous montrer. Bon, là, je peux pas, mais mettons. Ça fait 225 fois 4. Ça fait 450, ça fait 900. Ça fait 900, si je me trompe pas. Donc voilà, je me fais 900, tu vois. Donc je peux pas améliorer un héros. Enfin, je peux pas améliorer un héro jusqu'à 130 du coup, vu qu'il faut 1050 de manuels d'entraînement. Tu vois, pour ceux qui s'y connaissent, bon bah c'est pas assez quoi. Limite, il faut recycler 5 héros mythiques. Non, 5 héros tout court en légendaire pour améliorer un légendaire, tu vois ce que je veux dire, en 130. Donc c'est pas ouf. Là, vous voyez que j'ai exécuteur aussi en double du coup. Bah, c'est dans les lamas espions qu'ils nous ont redonné avec les tickets qu'ils ont transformés. Donc j'en avais 22. Et je l'ai eu au bout du 5e ou 6e, je sais plus le calcul, vu que j'en avais. Non, j'en avais. Attends. Si, j'en ai 22 des lamas espions. Donc voilà, j'en ai ouvert 5, je crois, et je l'ai eu au 5e, quoi. Enfin, j'ai ouvert tout, mais genre, vous m'avez compris. Je l'ai eu au 5e. Donc voilà. Donc voilà, ça, c'est pour le blablatement. Donc là, on va faire le petit tour des missions du jour, quoi. Vu que l'arme, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est le talocheur, on va pas se mentir. Il y a le talocheur dans la boutique, donc là je peux réfléchir avec vous un peu les affixes pour ceux qui connaissent pas. Même moi je les connais pas. J'ai demandé à 2-3 gens, bah, ils m'ont pas répondu. Donc je verrai ça demain. Peut-être que je ferai une vidéo bah, demain du coup. Dimanche. Pour Là il y a du coup vous avez vu qu'il y avait 4 trucs. Il y avait 4 trucs intéressants avec des trucs des manuels sans manuel d'entraînement à gagner. Donc dans cette mission, t'as 2 trucs qui donnent 100 essence, fait 200 manuels d'entraînement. Sur l'autre truc, vous avez vu qu'il y avait deux trucs épiques aussi, je crois que c'était deux survivants épiques. Donc ça pareil, t'as 200 manuels d'entraînement si tu le fais. Bon c'est chiant vu que c'est à ville planche quoi. Si, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous remontrer. C'était là.
Ça a récupéré les données, t'as deux survivants épiques, donc ça te fait 100 manuels, 200 manuels d'entraînement. Voilà, c'est gratuit, on va dire. Donc là, ça te fait 400. Tu vois, là, t'as 400 manuels d'entraînement en deux missions de Villeplanche. Donc bon, je dis ça, mais je dis rien, mais ça se prend, quoi. En vrai, ça se refuse pas. C'est Villeplanche, tu te fais un défi quotidien en même temps, voilà, c'est simple, et voilà, quoi. Au pire, tu joues avec un mec un peu bas niveau, tu vois, qui commence le jeu. Et voilà quoi, si t'as un pote niveau 30 ou quoi, bam, tu lances une planche avec lui, ça arrange tout le monde, et voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, ça se prend, hein, 400 manuels d'entraînement pour du ville planche, ça se prend. Ça se prend, ça se prend. Je sais pas c'est quoi vos techniques du coup pour les manuels d'entraînement. Moi, du coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment de technique. Enfin, soit je mets en exped et je fais des survivants et j'attends tous les jours, et du coup, ça me donne. Entre 200 et 300 quoi, donc c'est pas ouf, en soi c'est pas ouf. Là je fais juste les deux missions Villeplanche et c'est bon, j'ai presque autant. T'as Ken Ninja Agile, que j'ai pas en double d'ailleurs, je vais vérifier ça juste après. Mais si je l'ai pas, je le fais, je pense. Enfin pas tout de suite, là je vais aller me coucher. Ou je le fais avant de me coucher, je sais pas, tu vois. Genre je me mets tranquille, il y a un survivant légendaire. Putain, cette semaine il y avait tous les jours un survivant légendaire je crois. Hein. En vrai. Là, on est quoi? On est samedi, on avait un vendredi, jeudi, mercredi. Ouais, je crois, tous les jours quasiment de la semaine. Avec un petit x4 full en bouteille, c'est pas mal, hein. On va pas se mentir, c'est très très bien. On va pas se mentir, c'est très très bien, mec. Donc, il y a encore un x4 full en bouteille ici, sans évacuer le refuge, donc c'est propre. C'est très très propre. T'as un x4 goutte de pluie en récupérer les données. Très très propre aussi celui-là. Et un petit x4 œil d'icyclone avec 225 décuplateurs lèges, évacuer le refuge, ça se prend. Franchement, l'émission intéressante aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Hier plutôt, vous avez compris. Hier, c'était pas. Et il y a un x4 ici aussi. Ah, il y a beaucoup de x4, ils se sont rattrapés d'hier. Comme hier, en vrai, il y avait un foot en bouteille x4 et il n'y avait pas d'autres choses intéressantes quoi. Donc voilà pour l'émission du jour. Bon, il y a pas mal de x4. Je vous avoue que. S'il n'y avait pas le Bayard à côté, que j'ai envie de jouer ce week-end à mort, tu vois. Voilà quoi. Donc le Talocheur que j'avais pas en collect, donc je vais me l'acheter. Je sais pas si je le joue ou je le mets en collect instant. Les potes, à vous de me le dire. Déjà les affixes, ce serait quoi à mettre. Donc déjà, je vais l'améliorer en 130 pour que vous voyez jusqu'à combien de dégâts il monte quoi, juste en comme ça quoi, sans améliorer quoi que ce soit. Là en base il met un dégât, un efficacité en énergie de attaque lourde, un élément et dégâts élément physique et dégâts plutôt pardon, un armure et un dégât aux cibles étourdi chancelante, c'est quoi ça chancelante? Ok, gelée et mise à terre. Donc c'est un choix plutôt audacieux. Non, même pas, c'est nul vu que l'avantage c'est les dégâts infligés par les armes ralentissent. Là t'as un bonus, c'est pas du tout contre les zombies ralentis. Donc en soi le bonus c'est pas ouf en soi, si je réfléchis bien. C'est soit gelé, soit mise à terre, soit étourdi ou soit chancelante, je sais pas c'est quoi. C'est un zombie, il est là, il chante quoi. Je sais pas, il a de la chance et il lent, enfin, il est lent quoi, je sais pas, mais. Frère, chancelante, c'est quoi? Du coup, obsidienne ou. Attends, de base, il sert à quoi le talocheur? Il sert à faire du dégât ou il sert à. C'est quoi le mieux? Ah putain! Bah ouais, mais je sais pas du coup. Il sert à quoi de base? Outil, attends, un marteau qui assène des coups lents et. Lents? Ah ouais, des coups lents, c'est pas mieux de mettre en obsidienne du coup. Comme s'il est lent de base, c'est peut-être mieux de l'améliorer un petit peu en vitesse, non? Assène des coups lents et amble, mais avec un sacré punch. Bon, offensive se projette sur la zone ciblée, un peu comme la main du coup, non? Infligeant des dégâts aux adversaires proches et les renverse. Et les renversant. Et les renversant? C'est français ça? Et les renversants. Bref, du coup, en opsi c'est mieux, non? Vu que c'est des coups lents, donc c'est mieux qu'ils soient un peu plus rapides, non? Comme là, en soi, si tu mets en ténébrante, il a
Vitesse d'attaque, c'est 1,04 quoi. Je sais pas si c'est ouf, 1,04. 0,85. Vas-y, je vais mettre en obsidienne. Au pire, je le mettrai dans la collection, je le reprends avec 20 V-Bucks. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre, ça, voilà. Pour l'instant, je mets comme ça. Mais il sert à quoi de base le Talochard? C'est ça que je comprends pas. Vas-y, je l'ai mis en 130. Je change pas les affixes pour l'instant. Enfin, je vais mettre en full ledge. En vrai, je sais pas à quoi il sert. C'est pour ça que j'ai demandé vite fait à quelqu'un, quoi. Histoire qu'il me dise un peu c'est quoi les bails. Donc, je vais améliorer tout ça. Vu qu'en vrai, j'ai des DQ en trop à dépenser. Donc, voilà. D'ailleurs, vous savez ce que j'ai fait avec les missions hebdomadaires des alertes de mission là. Tu sais, il faut faire 10 missions par semaine en zone bah, 140 moi en l'occurrence, ou 100, 132, tu vois. Du coup, moi de base, vu le bonus déjà, je partirais sur ça. Cible ralentie, bah, les dégâts sont augmentés. Je partirais sur ça de base. Et après, je partirais sur du. Je partirais sur un dégât crit, un taux crit et un attaque lourde, non? Moi je mettrais ça. Hein. Ou vitesse de déplacement. Ah, il y a quand même. C'est comme un Talochard aussi, vitesse de déplacement. Non, c'est bon, il n'y en a que un. Ouais, je partirais sur ça. Mais je connais pas. Mais je partirais sur ça. Hein. Ou il faut mettre plusieurs effets. Efficacité en énergie de attaque lourde, tu peux le mettre en 3 fois. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ça qu'il faut jouer le plus? Ah, j'ai pas envie. En vrai, j'ai pas envie de changer pour pas dire de conneries. Mais de base, du coup, il est à 30 000 de dégâts, 3600 d'impact, 0,94 de vitesse d'attaque. Et bon, chance de taux crit et dégâts crit, vu que bah, j'avais pas mis. Donc, c'est 20% et 50%, c'est logique. C'est totalement logique. Là, je mets un taux crit, bah, ça descend à 33. Et si je mets un dégât. Non, ça. Attends. Non, si je mets un taux crit, ça monte à chance de taux critique. Ouais, ça met à 33. Et si je mets. Si je mets un dégât au coup critique, ça monte à. À 100. À, je sais même plus. Ça monte à combien? Non, je dis une connerie, ça monte à 37 000. Le Talochard. Il est où du coup? Il est là. Il monte à 37 000 même. C'est encore plus que j'ai dit. 37 000. Donc ça peut être pas mal. Du coup, admettons si je le compare avec mon concasseur par exemple. Oui, concasseur, il est même pas. Il est moins fort le concasseur. Ah non, ça monte. Attends. Non, si je mets un taux crit, ça monte à 48% du coup. J'ai dit une connerie, c'est pas 33. 210, quoi? Est-ce que c'est. Je mets les mêmes affixes que la main par exemple, vu qu'ils ont le même avantage en soi. Je les mets full en critique, non? Mais la main elle est éclatée, elle fait que 28 000 en dégâts. Mais c'est pour ça qu'elle pue la merde, ma main en fait. Vu que j'ai mis full critique en fait. Enfin, elle pue pas la merde, mais vous avez compris, genre. Une fois sur deux, elle est éclatée quoi. Enfin, ça va une fois sur deux, mais genre. Bref, vous avez compris, moi je suis pas un mec pro. Donc pour l'instant, écoutez, je vais la laisser comme ça. N'hésitez pas à me dire les affixes à mettre dessus. En vrai, j'ai pas envie de mettre des trucs au pif. Et. Déjà, ça, c'est sûr que je laisse 100%. C'est un peu un truc. Je pourrais mettre monstre de la brume, tu sais, mais en soi, frère a choisi entre les quatre, mais ça, c'est le plus avantageux. Mais les trois autres, du coup, n'hésitez pas à me dire. Et physique et dégâts, bon bah tu peux mettre tout quoi. Tu peux mettre en énergie, en eau, en nature, en feu, bon bah ça c'est à toi de voir, tu vois, comment tu veux jouer. Moi pour l'instant, bah du coup, je la laisse en physique quoi, mais en vrai, c'est à vous de me dire, dites-moi en vrai. Donc je vais pas parler plus que ça, et demain je le testerai en vidéo au pire. Du coup, il faudrait une compo. Donc bon, vous connaissez les compos, bon bah je suis éclaté quoi. Je laisserai plus ça à mon à des camarades quoi. Soit à Shaw s'il veut faire des s'il se tente à faire des vidéos sur des présentations d'armes ou quoi. Ou soit Do
Varak ou je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi son nom de chaîne, mais Seb quoi. Donc voilà, j'hésite à prendre quel ninja agile les deux survivants, hein, les potes. Là, je suis à combien? Je suis à 6000 manuels d'entraînement, si je prends ça et ça. Je suis à 6000, après j'ouvre les 20 lamas comme ça. Ça j'ai eu quoi comme récompense quotidienne? J'ai eu les 3 XP ok, bonus XP. Et demain, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis au 371e jour, ça me donne 150 de bucks. Donc voilà, 150 de bucks, c'est plutôt correct. Du coup, je serai à 1000 quoi. Non, à 1050. Je serai à 1050. Si je fais mon défi quotidien mêlé là, bah j'ai 50 quoi. Donc je serai à 1050. 1100 même, du coup. Bah oui, le défi quotidien encore de demain. Ouais, je serai à 1100 du coup. Donc voilà. Donc bref, je vais faire mes trucs de mon côté. D'ailleurs, j'ai acheté zéro truc là. J'ai juste acheté les flux. Bah regardez ce que j'ai acheté du coup. C'est la première fois que j'achète aussi peu dans la boutique hebdomadaire. Gros, j'ai acheté deux trucs, c'est tout. Les flux légendaires et les exmatrices. D'ailleurs, et en flux légendaire, du coup, je suis à 375. Mais du coup, je sais pas quoi en faire, gros. Soit je reprends un héros mythique, genre un des 4 là. Soit je reprends des petites armes extension, quoi. Enfin, ou des héros extension comme ça là. Des petits polos comme ça là. Vu que je peux, hein. Extension, tu peux. Ouais, tu peux recruter. Ou soit, bah, c'est tout, quoi. Ou sinon, une petite arme mythique. Pas mythique, mais militaire, pardon. Petite arme militaire, pourquoi pas, quoi. Pour me taper des délires, comme sinon j'ai plus rien acheté. J'ai vraiment tout en fait, tu vois. Dommage que ce bouffon, je peux pas le recruter avec avec un ticket quoi. Mais de toute façon, il va sortir en boutique du coup. Vu qu'ils ont sorti ce E2, c'est-à-dire que là, les prochaines semaines, ils vont sortir E2, tu vois. Genre, je pense peut-être samedi prochain et samedi d'après, tu vois. Enfin, je sais pas. Vu que d'ici le 30. T'as encore deux samedis, je pense. Non, un samedi. Ou deux, je sais pas, mais bref. Tu m'as compris. Au pire, ils sortent les deux en même temps, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter de parler, comme là, ça fait un petit peu. Déjà presque 10 minutes que je parle. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire. Si. Bah, c'est quoi vos objectifs de. À vous, hein, vos objectifs. Moi, mes objectifs, c'est que là. Quand je vais d'enquête, bah y a rien quoi. Genre je clique sur un truc, y a rien gros. Bon ça c'est obligé de rester, mais j'ai tout fini, vous avez compris. Ça c'est des trucs qui se répètent, donc c'est obligé que ça reste. Et ça, bon bah ça se répète quoi. Mais en soi, je veux qu'il y a juste écrit les urnes et les 5 mini-boss quoi. Tout le reste ça dégage, tu vois ce que je veux dire. Et le quotidien quoi. Tout le reste ça dégage, je vais plus le voir sur mon écran quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça mon objectif à chaque fois. Enfin bref, on se laisse là-dessus, du coup on se retrouve demain, pourquoi pas, pour tester le Talosheur, pourquoi pas. En vrai, même pour moi, en vrai, je l'ai jamais joué encore. Donc voilà, même pour moi, c'est kiffant, tu vois. Genre, c'est pas une vieille arme. Genre, l'exhumatrice, tu vois, l'exhumatrice, j'aurais pu aussi faire une vidéo où je le teste. Mais frérot, non. Au pire, c'est aussi un outil, l'exhumatrice, non? Ouais, désolé, je reparle dessus. Enfin, à chaque fois, ça fait deux fois que je dis que je quitte la vidéo, j'ai pas quitté encore. Donc l'exhumatrice c'est aussi un outil, non? Au pire je fais une vidéo où je teste les deux. Hein. En vrai, si je connais les affixes des deux armes. Elle est où l'exhumatrice? Elle est où l'exhumatrice? Je l'avais, elle était là. Ouais, l'exhumatrice c'est aussi un outil. En vrai, pourquoi pas faire une classe pour les deux directs et je teste les deux en même temps si vous voulez. À vous de me dire, en vrai je suis chaud. Bon, cette fois-ci je quitte vraiment la vidéo. Ciao.